D'accord. Désolé pour le retard, mais tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce qu'elle a fait est bon. Voilà, avance. It's good. Ok. Donc, sans plus tarder, on a nos différents co-débatteurs. Ils vont s'adresser à vous. Ensuite, on place au débat. Alors, pasteur Mathieu, c'est bon? Moussa Diané, Ismaël Aka. Ok, donc, vous avez la parole. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوكا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Avant de commencer cette séance, c'est la troisième fois que nous sommes à Yamoussoukro. Aujourd'hui, c'est le 9 Shawwal 1444 de l'Égypte qui correspond au 29 avril 2023. Nous sommes à Yamoussoukro pour la troisième fois, on va dire en trois ans. C'est la TDR et chaque fois quand nous venons, le public vient massivement, la jeunesse vient également, ce qui veut dire qu'ils aiment ce qu'on fait, ils écoutent ce qu'on dit. Et les mamans, les soeurs et tout le monde, parce que même dans les rues, les frères et soeurs sont sur des motos, ils nous saluent et ils sont heureux de nous voir. Nous ne sommes pas des célébrités. Nous faisons l'effort de défendre notre religion. Mais en même temps que nous défendons notre religion, par la grâce d'Allah, avec la bénédiction de nos imams, de nos guides religieux, et des responsables de la communauté musulmane dans la localité où nous nous trouvons. C'est pourquoi quand nous rentrons dans une ville, on ne peut rien faire sans aller voir le grand imam de la ville et les autres imams de la ville également. Pour quelles raisons? Un, c'est nos papas. Deux, ce sont nos imams. Trois, ce sont nos maîtres. Quatre, c'est eux qui nous ont mis en mission. Et quelle mission? Allez-y transmettre le message d'Allah à la jeunesse. Comme vous êtes jeunes,
nous nous sommes âgés, on a fini notre mission. Dans quel sens? On n'a plus la force de faire dawa comme vous le faites. Dans ce cas, vous devenez des transmetteurs de messages auprès de la jeunesse. Le grand imam de la commune de Yamoussoukro, accompagné de tous ses frères imams, nous charge de dire à la jeunesse de Yamoussoukro, ils ont entendu des choses qui ne sont pas bonnes. Ce n'est pas une bonne image pour la communauté musulmane. Il n'a pas dit que c'est les musulmans. Hein. Il n'a pas dit que c'est les jeunes djoula. Mais il dit au moins parler à la jeunesse dans tout l'ensemble. Même hier, je crois, il y a eu une réunion, je crois, au commissariat où la réunion n'a pas pu avoir lieu à cause de l'atmosphère, la tension qui montait. Et on a même appris que demain, beaucoup de jeunes ont décidé de faire des marches, des manifestations. Mais après, les informations qui nous sont parvenues, c'est qu'il y a beaucoup d'agressions dans ces temps-ci-là à Yamoussoukro. Agressions sur moto, vol de moto, tuerie. Il y a eu des gens même qui sont morts. À un moment donné, je me suis dit, bon, est-ce que pour conseiller quelqu'un, tu dois lui parler mal? Non. Est-ce que tu dois l'insulter? Non. Tu dois plutôt le sensibiliser. Et dans la sensibilisation, il n'y a pas à faire des musulmans, il n'y a pas à faire des chrétiens, ça concerne tout le monde. L'histoire nous rappelle ce qui s'est passé à Yamoussoukro. Nous étions à Abidjan, on a vu. Quand nous sommes venus à Yamoussoukro, on a constaté. Mais après, on a vu, l'atmosphère est revenue à la normale. Aujourd'hui, là, il y a la paix en Côte d'Ivoire. Sans la paix, on ne pouvait pas quitter Abidjan pour venir ici. On ne peut pas traverser voilà Boaké. Nous avons beaucoup de villes que nous allons parcourir. Et aujourd'hui, on a un débat, certes, avec les frères chrétiens, mais dès qu'on a un accord chrétien, musulman, avant de faire le débat, on a décidé de parler à nos frères et sœurs. Celui qui se sent concerné, lui qui ne se sent pas concerné, qu'il essaie de dire à son frère, « Ameminami, Dabla. Ameminami. Wallahi, Islamayata, Horoyato, Yeboa. » Ce n'est pas une bonne image pour l'islam. Je répète, parce que librement, mon frère, il faut parler de ce que tu sais. Tu parles à tes frères, tu parles à tes amis, tu parles à ta communauté. Développement est à mon fait. Parce que si demain, on dit non, tel a été tué, j'ai même appris que dans la Kabrousso, la Kata, Morokolokoun est bon, que comme Mourout est tué, comme couteau ne tremble pas, lorsque de l'être humain, là, si on t'a piqué à ça, tu vas mourir. Mais l'objectif, c'est quoi? Donc nous nous sommes dit, c'est-à-dire que c'est comme on vous demande pardon même. Regardons un peu la communauté musulmane, regardons nos parents, regardons comment nos papas, nos mamans ont souffert pour nous éduquer. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y en a qui sont morts et ils ne peuvent plus revenir à la vie. Récemment, nous étions en train de parler à Yopougon Figayo. On a dit, mais si quelqu'un nous amène à aller nous battre à cause d'un politicien, n'y allez pas. Mais je ne vois pas des palabres de politique ici, je ne vois pas il y a quelle confrontation. Mais uniquement Folignéneke. Et quand on m'aura jugé, parce que il fallait bien la sensibilisation sans accuser quelqu'un. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on n'est pas en train d'accuser quelqu'un. Hein. On dit la violence n'a pas d'importance. Il n'y a pas de bénéfice dans la violence si ce n'est le regret. Parce que nous devons faire là, c'est que d'autres sont dans le deuil aujourd'hui, d'autres sont en train de célébrer le mariage. Mais l'autre est en train de pleurer, l'autre en train de rire. Il y a une haine qui va s'installer entre les communautés. Nous demandons, pardon la jeunesse, s'il y a une manifestation qui était prévue pour demain, Ayakala Koson, sensibilisez-vous entre vous-mêmes. Laissons, les gars, laissons tomber. Les jeunes de la DDR que nous on aime, on les aime là. On est venu les écouter là. Si on les aime vraiment, c'est ce qu'ils nous ont dit là. Wallahi, ils savent pourquoi ils nous disent ça, parce que c'est dans l'intérêt de tous. Si vous nous aimez vraiment, et que vous souhaitez que cette mission continue et que nous revenons chaque fois à Yamoussoukro, on veut venir vous trouver dans cette atmosphère-là, d'apaisement-là. C'est ce que nous voulons vous dire ce soir, Inch'Allah. Je vais donner la parole à mon frère. Ce sont des frères chrétiens. On a débattu avec ici près de 2-3 fois. Mais même avant-hier, il m'a appelé d'Abidjan. On a échangé au téléphone. Je vais te baptiser, tu vas me baptiser, etc. Oui, le débat va se passer tout de suite. Vous aurez l'impression qu'il n'y a pas la bande, mais il n'y a rien. Mais après le débat, la vérité va s'installer et puis on va se séparer de façon fraternelle.
C'est ce que nous voulons donner comme message. Mais à partir du moment, si nous transmettons un message, et si elle est mal transmise, ce n'est pas nos parents imams qui nous ont envoyé pour ça. Ils nous ont dit de parler par la sagesse et la bonne exhortation. Parce qu'un mauvais pas de notre part, ça va se répercuter sur toute la communauté musulmane. Mais un bon pas également, c'est toute la communauté qui bénéficie. Donc si ce que nous faisons est bon, c'est pour ça que vous êtes là. D'autres auraient pu être dans les maquis aujourd'hui, c'est samedi. Il y en a qui pouvaient être dans les boîtes de nuit, mais ils ont laissé, ils sont venus s'asseoir pour faire quoi? C'est pas pour regarder qui va gagner, mais pour écouter le message d'Allah qui va les rassurer, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Cher ami, à vous la parole. Nous remercions la population de Yam Sokoro au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes réunis ici parce que vous voulez avoir la vérité. La vérité se trouve dans les livres sacrés. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes venus pour véhiculer le message du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la lumière. Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui est le chemin et la vérité qui nous amène à la vie éternelle. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous donner les commandements de Dieu. Comme Dieu a dit dans Matthieu 22, versets 39 à 40, il y a deux grands commandements. Aimer Dieu, c'est aimer les commandements de Dieu. Aimer les hommes, c'est être en harmonie avec les hommes. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour transmettre le message de paix qui consiste à aimer son prochain. Jésus nous amène à aimer même nos ennemis. C'est pourquoi, en tant que croyants, nous vous demandons pardon. Pardon, parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, on ne peut pas voler son frère. On ne peut pas tuer. Comme Dieu nous a donné les 10 commandements, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu a dit, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. Tu aimeras ton frère comme toi-même, tes parents. Tu ne vas pas voler ton frère. Tu ne vas pas tuer ton frère. Donc, ceux qui sont musulmans, aujourd'hui nous vous demandons pardon. Les chrétiens, nous vous demandons pardon. Dieu a créé ce monde pour que nous puissions vivre un paradis, un pré-paradis sur cette terre. C'est pourquoi il nous a amené les prophètes, afin qu'ils puissent nous enseigner. Mais si en dehors de tout ce que les imams, les pasteurs nous enseignent, chacun se lève et il va tuer son frère. Lorsque tu tues ton frère, son sang monte jusqu'à l'Éternel. Le frère que vous avez tué ne restera pas impuni. C'est pourquoi, jusqu'à la fin du monde, il y aura un jugement. D'après Ecclésiaste, il dit, jeune homme, fais tout ce que tu veux, mais un jour viendra, tu iras en jugement. Donc nous sommes venus pour vous apporter ce message de paix, afin que chacun puisse regarder son frère comme étant Dieu à l'intérieur de ton frère. Donc, Oustad a parlé, on ne va pas s'éterniser à vous parler de Dieu, on va amplement vous enseigner dans les Écritures. Aujourd'hui, le thème, c'est entre la Bible et le chrétien, quel est le livre? Entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui est la lumière de Dieu? Donc, pour cela, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, Oustad Diané de la DDR. Je suis sûr que le message est bien passé. Alors, je pense que sans plus tarder, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Jeune de Yam Sokoro, s'il vous plaît, la DDR vous a parlé, le pasteur Mathurin vous a parlé, on espère que c'est bien rentré. Alors, je rappelle que le thème c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui vient de Dieu? Alors, c'est pour cela que le pasteur aura 5 minutes d'introduction déjà. Il va continuer. Vous continuez, pasteur. 5 minutes, vous avez. Ok. Avant de continuer, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Aujourd'hui, nous sommes là, en ton nom. Toi-même, tu as dit que lorsque les hommes vont vous entraîner devant la justice, ne vous inquiétez de rien. Car au moment T, je vous donnerai la parole. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous voudrions que, Seigneur, tu nous donnes la parole pour éclairer ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, le thème, c'est entre la Bible et le Coran, quel est le livre qui porte la lumière de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Durant les siècles passés, nous avons vu qu'il y a une tragédie qui traverse le monde. Et cette tragédie, c'est le Coran. La tragédie, c'est quoi? C'est entre le mal et le bien, la lumière et l'obscurité, entre le mal et le bien. Donc cette tragédie a traversé pendant tous les siècles. Donc aujourd'hui, nous sommes venus pour vous donner la lumière. La Bible. La Bible est composée de 66 livres, 39 pour l'Ancien Testament, 27 pour le Nouveau Testament. La Bible, la Sainte Bible, contient des récits poétiques, des récits prophétiques, des allégories, des poètes, des lois qui régissent le peuple de Dieu. Donc, nous allons vous instruire sur la Bible. La Bible a été écrite par 40 auteurs. 40 auteurs. La Bible, quant au Coran, le Coran est un petit livre qui compose de 114 sourates, 6236 versets. Le Coran ne contient aucun récit historique. Le Coran ne contient aucun conteste. Le Coran est un livre qui est désordonné. Le Coran n'est pas structuré. Le Coran, il n'y a aucune généalogie dans le Coran. Le Coran est comme... Le Coran n'est pas... Il n'y a pas de chronologie dans le Coran. Donc, en un mot, le Coran est un livre ambigu. Et ce livre a permis aux savants ismaélites de pouvoir expliquer le Coran à travers les hadiths durant les siècles. Même jusqu'à aujourd'hui, les gens continuent de réciter le Coran. Le Coran est un livre... Lorsque vous voulez lire le Coran, en tout cas, il faut prendre un petit paracétamol, parce que le Coran, dès l'instant où vous commencez à lire, vous ne pourrez jamais comprendre le Coran. Parce que le Coran, les histoires sont entremêlées. Le Coran lui-même dit que les versets sont répétés. Oui. Donc, en un mot, le Coran est un livre ambigu. Pour pouvoir comprendre le Coran, vraiment, c'est un peu difficile. Donc, voilà un peu ce qu'on peut dire sur le Coran. Dans le développement, nous allons rentrer dans le développement pour pouvoir vous instruire en long et en large sur le Coran. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Le Coran est un livre ambigu. Vous avez gagné 5 minutes. Alhamdulillah, salat wa salam ala rasulillah. La louange est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Allah dit dans le Coran, malheur à ceux qui de leurs propres mains composent un récit et le présentent comme la parole d'Allah
pour en tirer un vil profit. Malheur à eux pour ce qu'ils ont écrit, malheur à eux pour ce qu'ils en profitent. Sourate 2, versets 75 à 79. Bon, moi je pense qu'il est mieux d'enseigner ceux qui nous suivent pour comprendre. Parce que si moi j'ai dit la Bible n'est pas la parole de Dieu dans sa totalité, ça c'est la conception des musulmans. La Bible, certes, elle contient des paroles de Dieu, mais la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Une fois j'ai dit que la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, il faut que je donne les preuves. Le Coran n'est pas contextualisé. Le Coran, faut pas paracétamol pour lire, mais donne la preuve. Donne la preuve. Lui, il a dit tout à l'heure que la Bible est composée de 66 livres. Mais quelle Bible est composée de 66 livres? Quelle Bible? La Bible des tomes que j'ai ici, là, elle n'est pas 66 livres. Il y a le livre de la Siracide, là, ça est dans cette Bible des tomes. Elle, lui, n'a pas ça dans sa Bible. Il y a un livre ici, c'est une seule page. On appelle ça Abdias. C'est un seul, voilà, c'est un livre, mais c'est une seule page. Mais lui n'a pas ça dans son livre, dans sa Bible. Il y a quoi encore? Il y a le livre de la sagesse. Peut-être qu'il n'a pas ça dans sa Bible. Il y a le livre de Jérusalem, la Bible de Jérusalem, qui fait près de 73 livres. Mais lui dit, c'est 66 livres, mais de quelle Bible il parle? Allah parle de l'évangile dans le Coran, Allah parle de la Torah dans le Coran, Allah parle de Zabur, c'est-à-dire le psaume dans le Coran. Mais le mot Bible n'est pas dans le Coran, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Mais le mot Coran est dans le Coran. Comment ça peut être un livre de Dieu? Allah dit dans le Coran, nous t'avons révélé un Coran pour que par ce Coran-là, tu tires les êtres humains des ténèbres vers la lumière. Nous t'avons révélé un Coran et nous avons fait descendre le Coran comme une guérison pour les cœurs. Le Coran, le Coran, le Coran. Frère, il faut que tu me montres le nom de la Bible dans la Bible. Comme ça, on va savoir que oui, c'est un livre de Dieu, d'accord. Maintenant, pourquoi moi je dis que la Bible n'est pas, ou les musulmans disent, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu. Il y a des paroles qui viennent de Dieu, il y a des paroles qui viennent des historiens, il y a des paroles qui viennent même pas ni de Jésus, ni de Dieu, mais des personnes, par exemple, qui se promènent, qui ont raconté leur histoire. C'est pourquoi nous disons, Ahmed Didat disait comme ça, ne donnez pas la Bible aux enfants pour lire. Il y a des mots dans la Bible. Même si on lui donne l'argent, il n'a qu'à lire devant vous, il ne va pas accepter. Je lui donne déjà le passage, Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1, jusqu'à la fin. S'il est courageux, il va lire et puis on va attendre. Ça c'est un. Secondo, nous disons la Bible. C'est un livre qui se vend, que le musulman peut acheter pour lire. Mais nous lisons la Bible pourquoi? Pour voir si ce que les chrétiens enseignent aux gens dans la rue et autres, là, est-ce que c'est vrai? Ils disent que la Bible dit ça, la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela. Mais nous avons un document où, qui est la Bible, où par exemple, on dit Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, et puis le 7e jour, il s'est reposé. Mais le repos là, est-ce que l'éternel Dieu peut se reposer? S'il se repose, c'est qu'il est fatigué. Et qui se fatigue? Ce sont les êtres humains. Le Coran dit non, Allah a créé le ciel et la terre sans pour autant sentir la moindre fatigue. Lui, il ne se fatigue pas. Mais tu serais d'accord avec moi que le Dieu de la Bible, il s'est reposé. Le Dieu de la Bible dit dans Genèse 6, verset 6, que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Attends. Si l'éternel Dieu est omniscient, Allah dit dans le Coran, il connaît leur passé, il connaît aussi leur futur. Donc le Dieu du Coran ne regrette pas. Mais le Dieu de la Bible, il regrette. Comment la Bible peut être un livre venant de l'éternel Dieu? Il y a des paroles de Dieu dans la Bible qui sont vraies, mais ce n'est pas toute la Bible qui est la parole de Dieu. Mais on va le démontrer, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sadiane et la DDR. Maintenant, nous avons fini la phase d'intro. On va maintenant passer au développement. 10 minutes, 10 minutes. On aura 10 minutes, 10 minutes, deux fois. Ensuite, l'échange direct. Alors, pasteur Mathurin, c'est bon? Ok, donc vous avez la parole.
Ok. Je vous remercie. Nous allons développer. Mais cette fois-ci, nous allons rester dans le Coran. Nous n'allons même pas utiliser la Bible. Sourate 29, verset 46. Il dit quoi? Il dit, et de discuter de la meilleure façon avec les gens du livre et ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qui, en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. C'est lui que nous soumettons. C'est lui que nous nous soumettons. Ici, on nous dit, le Coran nous dit que la Bible qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus et ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus, aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux et c'est lui que nous sommes soumis. Ici encore, Abraham, Moïse, tous les sont soumis à Allah. Ça veut dire qu'on a le même Dieu. Nous allons prendre encore la sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et fit descendre la Torah et l'Évangile. Dans la Bible, il y a la Torah, il y a l'Évangile, il y a les prophètes. On se retrouve encore. Nous allons prendre cette fois-ci la sourate 5, verset 46. Et nous avons envoyé après Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une exhortation pour les pieux. Au verset 47. Que les gens de l'évangile jugent après ce qu'Allah fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah fait descendre, ceux-là sont des pervers. On se retrouve encore. Sourate 5, verset 48. Et suis toi, Mohamed. Et suis toi, Mohamed. Nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. On s'arrête là. Voici l'arnaque. On peut faire valoir. Parce qu'on peut utiliser le livre pour faire valoir la vérité de Dieu. Mais prévaloir sur la Torah, l'évangile, les prophètes. En tout cas, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle une antinomie. En principe, le débat s'arrête là. Parce que nous voyons mal Abraham se prévaloir sur Abraham. Nous voyons mal Allah qui se prévaut sur Allah. Nous voyons Jésus c'est-à-dire qui est au-dessus de Jésus. Nous voyons tous les prophètes qui sont au-dessus de Jésus. Ça, c'est inadmissible. Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Adam ne peut pas se prévaloir sur Allah. C'est une véritable anarchie. Donc, en principe, le débat s'arrête là. Parce que Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Ce n'est pas possible. Ici, voici le nœud gordien qui est une intercession. Mais cette intercession-là est mal négociée parce que Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Voilà une véritable anarchie. C'est pourquoi, dès le début, on a parlé d'une tragédie. Ce n'est pas la vérité. Allah ne peut pas se prévaloir sur Allah. Parce que dès le commencement, Allah est venu pour confirmer. Ce qu'on confirme, on ne peut pas dire
que ce qu'on a confirmé peut se prévaloir sur ce que moi-même j'ai confirmé. C'est pas possible. Et ne discuter qu'avec les gens de l'UQE de la meilleure façon. C'est ce que je viens de dire. On va débattre avec eux, mais par la sagesse et la bonne exhortation. Dit, nous croyons en ce qui a été descendu vers vous, à ce qui a été descendu vers nous, tandis que notre Dieu et le vôtre, c'est le même. Il a lu la sourate, mais il ne croit pas en ça. Parce qu'on a le même Dieu, non? Oui, mais pourquoi tu adores une autre divinité en dehors du même Dieu qu'on a là? On a le même Dieu qui nous a créés. Tu le laisses, tu t'en adores un homme. Donc tu lis l'écriture, mais tu ne crois pas. Il a lu encore sourate 3, verset 3. Il a fait descendre la Torah et l'évangile. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit, non? La Torah a été donnée à Moussa alayhi salam, l'évangile à Jésus, la Bible là, Dieu a donné à qui? C'est pourquoi il te dit, Bible n'est pas le nom de la Bible dans la Bible. C'est-à-dire, Bambi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pasteur, comme Allah ne peut pas prévaloir sur Allah, bon, tu conjuguais le verbe prévaloir, ça me fatiguait. Au moins, tu as dit prévaloir. Ah, je veux savoir prévaloir, c'est dans quel dictionnaire? C'est en baoulet ou bien c'est en français? Le diable est dans les détails. Ah, ok. Le diable est dans les détails. Ah, d'accord. Soit on ne dit pas prévaloir. Il dit prévaloir. Ok. Donc Allah prévaut. Prévaut. Voilà. On dit prévôt, on ne dit pas prévaloir. Voilà. Donc c'était pour dire que, en fait. Le diable peut se prévaloir. Donc, peut-être que dans l'émotion, on peut se tromper. Dans l'émotion. L'émotion. Donc, il faut appeler le Saint-Esprit pour que tu n'aies plus d'émotion. Le Saint-Esprit est déjà là. Voilà, donc on ne veut plus d'émotion maintenant. Alors. Merci. Maintenant, le simple fait de continuer le débat, sincèrement dire, c'est à cause de la foule qui est venue. C'est comme si tu as payé ticket, tu es rentré pour aller voir ton artiste et puis on dit qu'il est malade. Tu es obligé d'épuiser les minutes quand même. Sinon, le débat, ça n'a pas lieu d'être. Sincèrement dit. Honnêtement, quand on écoute les arguments du pasteur, sincèrement, on sent que les arguments sont très faibles, plus que le coton. Mais on est obligé de rester pour sensibiliser les jeunes, toujours dans l'optique de leur montrer qu'on peut échanger fraternellement. On peut avoir des idées contradictoires sans pour autant aller à la main. Moi, je préfère sensibiliser les jeunes qui sont venus. Parce que pour le pasteur, c'est déjà fait. C'est une question d'honnêteté spirituelle, mais de lucidité. Comme il dit bien, les émotions sont là. On va prier Allah que les émotions disparaissent et que la compréhension et la méditation fassent lieu. Voilà, prennent lieu et puis puissent utiliser et toucher notre homme de Dieu pour qu'il comprenne ce que nous sommes en train de dire. Si on continue le débat, c'est pour montrer aussi à ces musulmans, à ces non-musulmans et à ces jeunes-là, au lieu de décider de faire des craintes Dieu, ont décidé de regarder la vie présente en agressant les gens sur les motos, en tuant des gens rien que pour du matériel, sachant bien que la mort que tu as donnée à l'autre, tôt ou tard va t'arriver. Voilà pourquoi Allah dit, la mort que vous fuyez va certes vous rattraper. Et vous allez vous comparaître devant celui-là même qui connaît le monde visible et invisible. Et il va vous informer de ce que vous avez fait. Que ce soit en cachette ou en public. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alors toi qui ôtes la vie à quelqu'un aujourd'hui, sache que la vie, ta vie aussi te sera ôtée à un moment donné. Parce que tu n'es pas maître de toi. Tu ne t'es pas donné la vie. Alors la vie que tu as ôtée à autrui te sera ôtée aussi un jour. Et tu vas comparaître devant Dieu. Et tu vas répondre de tes actions. Parce que chaque action que nous menons sont enregistrées par des anges. Et chaque action que nous menons, nous allons rendre témoignage de ces actions-là au jour de la résurrection. Alors, pour dire ceci, nous, en tant que jeunes, qui avons décidé de faire la dawa, quand on parle de la Bible et du Coran, on est tout juste en train de vous montrer qu'il y a une chose qui a été révélée à un prophète. On appelle ça le Coran. Allah il dit dans le Coran, j'ai révélé la Torah à Moïse, j'ai révélé l'évangile à Jésus, et j'ai révélé le Coran à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi Allah il dit, c'est sur la base de la Torah, sourate 5 que vous avez lu, pasteur, commencez à partir du verset 40 jusqu'à 48, vous allez voir. Allah il dit, il a donné la Torah à Moïse, et que c'est sur la base de la Torah que les rabbins et les juifs devaient traiter les histoires des enfants d'Israël. C'est sur cette base-là qu'ils devaient aller juger. Et il dit, après ça, il a envoyé Jésus avec l'évangile.
C'est sur la base de l'évangile que les gens de l'évangile devaient juger les affaires des juifs ainsi que des principaux sacrificateurs qui étaient avec eux. C'est lui qui veut dire au temps de Jésus, on ne pouvait pas invoquer la Torah parce que Jésus était venu avec un livre qu'on appelait l'évangile. Mais Allah il continue pour dire, et après Jésus, nous t'avons envoyé toi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et nous t'avons révélé le Coran qui prévaut sur les livres qui sont antérieurs. C'est-à-dire, quand le Coran vient, la législation divine et universelle qui a été donnée, tout être humain doit se vouer, doit se soumettre à la révélation qu'il a reçue que le Coran. Parce que chaque livre, en son temps précis, est important. Mais lorsque le temps passe et que Dieu amène un autre prophète, le prophète que Dieu amène prévaut sur celui qui est passé. Voilà pourquoi, comme Jésus est passé et que le prophète Mohammed est venu, le Coran va prévaloir forcément sur la Torah et l'Évangile. Voilà comment on comprend souvent 5, verset 44. Pasteur. Voilà. Maintenant, c'est simple. On vous a posé une simple question. Si vous nous dites Dieu a révélé la Bible à quel prophète, c'est en ce moment qu'on pourra discuter, on pourra comparer la Bible au Coran. Parce que vous-même, vous avez dit, la Bible, il y a les récits des prophètes dedans. Il y a les récits des historiens. Les historiens, là, vous connaissez les noms. Vous ne les connaissez pas. Si tu cites le nom d'un historien, tout à l'heure, tu me baptises. Tu ne les connais pas. Je vais te montrer dans la Bible. Normalement, quand on dit la Bible est la parole de Dieu, on ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. Mais nous, on a des Bibles ici où il y a des versets qui sont coupés. La question qu'on vous pose, là, qui a coupé les versets? Je veux que, pasteur, je vais vous lancer un défi devant les gens. Je veux que vous me lisez 1 Samuel chapitre 13. Lisez ça, s'il vous plaît. Vous n'avez pas les Bibles? Vous venez au champ sans la dama. Non, ça c'est moi qui vous donne. C'est-à-dire, je veux que, comme mes parents sont baoulés, je veux que de manière fraternelle, hein, vous rendez service au peuple qui nous suit. Est-ce que vous pouvez lire, s'il vous plaît, avec toute humilité, tout le respect que j'ai pour vous, est-ce que vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 13 pour nous, s'il vous plaît? Le premier verset seulement, ça me suffit. D'accord. Le pasteur Boutz. Il ne veut pas lire. On va prendre 1 Samuel chapitre 13. 1 Samuel 13, verset 1er. Pasteur, faut écouter. Tu vas voir ce qu'on appelle ça là. Ce n'est pas parole de Dieu. On va te montrer là. On va te donner une preuve comme ça. Vas-y. Saül était âgé. La Bible dit Saül, que Saul était âgé de. .1. Lorsqu'il devint roi. Moi, je veux que tu lises dans ta Bible. Ils ont mis .1. Donc, je veux savoir qui a oublié l'âge de Saül. C'est Dieu? Ou bien c'est le commentateur, ou bien c'est l'Esprit Saint. Qui a oublié l'âge de Saül? Je veux que tu nous dises devant les gens à tout ici. Yamsoukro, Saül, il avait quel âge? Tu vois? Donc tu ne peux pas comparer ça au Coran. Voilà pourquoi on te dit, il faut faire attention. Le Coran, c'est facile de dire dans votre bouche, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est très difficile de démontrer que ce n'est pas la parole de Dieu. Toi-même, tu as dit, le Coran pour lire, ce n'est pas facile de. Il ne faut pas parler à ce moment-là. Et tu as bu? Tu n'as pas bu, comment tu as compris? Tu as raison. Le Coran, ce n'est pas facile pour comprendre. Ça, c'est vrai. Parce que le Coran dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et à des personnes qui réfléchissent. Donc, si tu n'as pas ça, tu ne peux pas comprendre. C'est la première base du Coran. Allah dit qu'il s'adresse aux doués d'intelligence et aux gens qui réfléchissent. Si toi-même disais que tu ne remplis pas ces deux critères, il ne faut pas aller là-bas. Mais tu ne vas pas comprendre. Voilà. Maintenant, pour finir, on dit, pasteur, avant de dire quelque chose en public, il faut s'assurer qu'on a la capacité absolue de pouvoir démontrer ce dit. Pour autant, ça devient des propos lapidaires. On n'est pas là pour se lapider dans les propos. La Bible n'est pas là. Non, on n'est pas là pour ça. C'est toi-même qui as donné le thème, non. On veut que tu prouves que ta parole que tu as, la Bible que tu as, est vraiment la parole de Dieu. Comme Oussaz l'a dit, selon la Bible, Dieu a créé la terre en 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé, non? Bon, bizarrement, vous, c'est le 7e jour, là, vous partez à l'église dimanche. Faut me montrer dans la Bible où on est d'aller à l'église dimanche. Tu vois? Et puis de deux, vous-même, dans votre propre Bible, toi, tu as parlé d'Abraham. Alors que chez vous, les chrétiens, Abraham a commis l'adultère en couchant avec Agar, sa servante. Chez vous, les chrétiens, tous les prophètes ont péché. Noé, même là. On dit qu'il a bu du vin, ses enfants ont vu sa nudité. L'autre a bu du vin pour coucher sa fille.
On dit Salomon, il a eu 1000 femmes. Ces 1000 femmes l'ont conduit à aller adorer des idoles jusqu'à il est mort mécréant. La Bible dit que David, il a versé le sang tellement qu'il allait convoiter encore la femme de son lieutenant de garde, on va dire son chef de guerre. Mais le seul qui n'a pas péché, c'est qui? C'est Jésus, selon vous. Donc quand toi-même, tu t'arrêtes, c'est ce qu'il dit, on a parlé d'Abraham, sachant bien que toi, tu penses qu'Abraham a commis l'adultère. Tu veux que les anges te chicotent ou bien tu veux que qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu veux comparer ça au Coran, alors que Allah a dit que Abraham est l'ami intime d'Allah, le père de l'unicité, le père de la foi. Comment toi, dans ton livre, on dit que le père de la foi n'a pas eu foi, mais il allait commettre l'adultère à défaut d'avoir la foi? Tu acceptes ça. Maintenant, tu veux venir comparer au Coran qui vient laver tous les prophètes qui disent qu'un prophète ne peut pas commettre le péché parce que c'est lui qui ordonne de la part de Dieu à ce que vous vous soumettez à la loi. Lui-même ne peut pas désobéir à la loi. Tu veux comparer ça au Coran? Vraiment, merci beaucoup. On attend encore la deuxième partie pour fatiguer nos têtes et puis on va venir corriger encore ce qui est gâté. Qu'elle en donne la bonne réponse. Merci beaucoup. Où ça vient la carte de la DDR? Nous sommes maintenant à la phase 10 minutes, deuxième tour. Alors, partant. Je vous remercie. Ismaël Aka, il a l'habitude de son petit G. Ils ont fait ça. Mais ce que Ismaël Aka ne peut pas comprendre, c'est que la Bible est un livre révélé. Lorsque nous prenons le livre de 2 Timothée 3, verset 16, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire, tout ce que vous voyez dans la Bible est vrai, est inspiré de Dieu. Ismaël Aka, il a parlé de l'œil de Saül. Lorsque nous prenons la sourate 3, verset 3, la sourate 3, verset 3 nous dit quoi? Il nous dit que le Coran est venu confirmer la Torah, l'Évangile, les prophètes et tout ce qui est écrit. Et lorsque Ismaël Aka met en cause ce que Allah est venu confirmer dans la Torah, c'est que c'est un petit rebelle. Il ne respecte même pas l'ordonnancement de ce qui a dit son prophète. C'est un petit voyou spirituel qui m'en excuse. Ce que Allah a dit, toi en tant qu'humain, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Il a parlé de la Bible. Il dit que le nom du Coran est dans le Coran. Mais si le nom du Coran est dans le Coran, lorsqu'on a essayé de comptabiliser, on a vu qu'il y a 80 comment on appelle ça, Coran dans le Coran. Lorsque le Coran mentionne le Coran dans le Coran, ça veut dire quoi? Ça veut dire en mathématiques supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Ça veut dire que le Coran lui-même, dès l'instant il dit le Coran, ça veut dire que les versets qui sont en amont ne sont pas dans le Coran. Ça veut dire que les versets qui sont en avant ne sont pas dans le Coran. Le Coran ne peut pas prendre le nom du Coran, c'est pas possible. Parce que les contemporains, quand tu prends le Coran, tu as l'impression que tous les contemporains du Coran ont vécu en même temps. C'est pas possible. C'est différent de la Bible qui est chronologique. Quand tu prends la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, les prophètes et tous ceux que Dieu a envoyés ont leur histoire. C'est différent du Coran qui fait l'amalgame. Par exemple, quand tu prends la sourate 12 et que tu prends la Genèse concept, ça parle exactement de la même chose. Mais est-ce que la sourate de Youssouf, de Joseph, qui est dans le Coran, et cette même sourate qui se trouve dans la Bible, dans la Genèse 37, est-il que la sourate 12 ne fait pas partie du Coran? Non.
c'est la même histoire, c'est le même Dieu. Donc, le Dieu de la Bible, le Dieu du Coran ne peut pas se prévaloir sur le Dieu de la Bible. Donc, nous disons que le diable est toujours dans les détails. C'est-à-dire là, il est Saül. Est-ce qu'en réalité, Saül a vécu? Parce que la Bible nous dit que Saül a vécu. Mais l'œil de Saül, c'est une inspiration. C'est une inspiration. Dieu a parlé et les hommes ont écrit de la part de Dieu. L'âge n'a pas d'importance. L'âge n'a pas. Est-ce que Saül a existé? Si Saül a existé, Dieu merci. Mais Saül a existé où? En Israël. Son âge n'a pas d'importance. Ils n'ont pas oublié. Ça n'a pas été mentionné, c'est tout. Bon, lorsque nous prenons, nous lisons Jean 4, verset 20. Jésus a dit quoi? Jean 4, verset 20. Il dit, la femme a posé la question, la femme samaritaine a posé la question à Jésus. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Jésus-Christ a dit, il a répondu à la femme, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Le Coran vient, il dit, non, 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 ce que Jésus a dit là, c'est faux. Que pour adorer Dieu, pour avoir la vie éternelle, il faut aller à la Mecque. Oui, il faut aller à la Mecque. Oui, c'est ce que le Coran dit. Le Coran dit, il faut aller à la Mecque. Maintenant, le Coran nous dit, pour avoir la vie éternelle, il faut parcourir le mont Arafat. Pourtant, Jésus nous dit que ce ne sera pas à Jérusalem, ni sur cette montagne. Mais le Coran vient nous dire que c'est à la Mecque et sur le mont Arafat que nous pourrons avoir la vie éternelle. Comment est-ce que le même Dieu peut se contredire? C'est pas possible. Vous payez des millions pour aller à la Mecque, pour aller pour faire le tour de la Kaaba, aller sur le mont Arafat et puis revenir en Côte d'Ivoire. Alors que Jésus nous dit, ça ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem. Et les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que l'évangile qui a été annoncé et que le Coran est venu confirmer, le même Coran met en déphasage ce que lui-même a dit. Puisque le Coran nous dit que nous adorons le même Dieu. C'est pas possible. Donc, vraiment, lorsque nous lisons, nous voyons que la Bible, le Coran et la Bible se contredisent. Nous, si on veut étudier, on voit que c'est pas le même Dieu. C'est même pas le même Dieu. Mais pourtant, le Coran dit que c'est le même Dieu. Si on a le même Dieu, en principe, on devrait avoir les mêmes instructions, la même loi. Et il a parlé tout de suite de dimanche. On n'a jamais dit qu'il faut adorer Dieu le dimanche. Tous ceux qui adorent Dieu le dimanche ne sont pas dans la vérité de Dieu. Dieu a dit quoi? Tu travailleras pendant 6 jours. Le 7e jour est consacré à l'éternel ton Dieu. Ce jour-là, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça le jour du sabbat. Lorsque nous prenons la sourate 7, verset 163, la sourate 7, verset 163, nous parle du sabbat. Si vous voulez, nous pouvons lire. Sur
37, verset 163. Il dit, et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer. Lorsqu'on y transgresse le sabbat, que leurs poissons venaient à eux, faisaient surface au jour de leur sabbat, et ne venaient pas à eux le jour où ce n'était pas sabbat. Ainsi, les éprouvons-nous pour la perversité qu'ils commettent. Même le Coran reconnaît le sabbat. Donc le dimanche n'est pas le jour d'adoration de l'Éternel ton Dieu. Le jour d'adoration de l'Éternel ton Dieu, c'est le sabbat, c'est-à-dire le samedi. Tous ceux qui adorent Dieu le vendredi, le dimanche, n'auront pas la vie éternelle. Vous ne pouvez pas comprendre, ça vous dépasse. Tous ceux qui adorent Dieu le jour du vendredi, tous ceux qui adorent le jour du dimanche, n'auront pas la vie éternelle. Donc vous êtes prévenus. Que ça soit musulman comme les chrétiens du premier jour de la semaine, qui est le dimanche, parce que la Bible nous dit que le dimanche est le premier jour de la semaine. Lorsque nous prenons Marc 16, verset 9, il dit le dimanche, le premier jour de la semaine, Jésus est ressuscité. Donc vous êtes prévenus, le dimanche et le vendredi ne sont pas les jours de Dieu. Merci. Ok, merci beaucoup, pasteur. Je pense que là, c'est bien passé le message. Dimanche. Ok. Donc, ici, le décor planté, normalement, la TD avait 10 minutes. Ok, d'accord. Donc, allez-y, 10 minutes. Alors, là, comme on le constate encore, il y a des questions qui sont posées au pasteur qui ne répond pas, il ne peut pas répondre. D'ailleurs, la soirée du vendredi, c'est coranique. Soirée 62. Verset 9, Allah dit, lorsqu'on vous appelle à la solat du vendredi, à courir, laissez tout négoce. Après la solat, maintenant, vous pouvez aller chercher la grâce de votre Seigneur, etc. Donc, notre jour de prière, vendredi, la même, là, c'est coranique. Donc, tu as oublié de prendre le Coran pour confirmer le sabbat dont tu parles. On dit, l'âge de Saül, là, il avait quel âge? Tu dis, non, son âge n'a pas d'importance. Mais Dieu a-t-il oublié l'âge de Saül dans la Bible jusqu'à aller mettre il y aura la réponse tout à l'heure. Pourquoi nous disons que la Bible ne peut pas être la parole de Dieu dans sa totalité? La Bible dit une partie que Judas est mort parce qu'après avoir trahi Jésus, il allait se pendre. Il y a une autre partie qui dit le contraire de ça. Quand on va échanger tout ça, il va lui demander, Judas est mort comment? On va commencer à chercher la réponse. Dans la Bible, Jésus dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage n'est pas vrai. Après encore, il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vrai. Ça veut dire quoi? C'est vrai ou bien c'est pas vrai? Soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Dans la Bible, il y a une partie qui dit, c'est deux brigands qui ont insulté Jésus sur la croix de la même manière. Il y a une autre partie qui dit, non, c'est faux, c'est un qui l'a insulté. Non, c'est tellement, attends, il y a quoi? C'est un ou bien c'est deux? C'est-à-dire, même la Bible qui est dans ta main, tu dis la Bible est comme le Coran. Ou bien on a le même Dieu. Comment tu veux reconnaître aujourd'hui qu'on a le même Dieu? En même temps, tu dis encore que non, le vendredi et le dimanche, ils ne sont pas dans la vérité. Tu dis qu'on a le même Dieu. Attends, le Dieu qui a dit de prier vendredi là, c'est quel Dieu? Celui qui vous a dit de prier samedi, c'est quel Dieu? Demande sur la planète Terre, est-ce que tous les musulmans ne prient pas le vendredi? Tu viens d'accuser tes frères chrétiens pour dire qu'ils ne sont pas dans la vérité. Nous allons faire plaisir. Alhamdulillah, tu es en train de nous défendre même pour dire que c'est l'islam qui a la vérité. Voilà. Donc, puis Dieu dit, Genèse 1, 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, son Dieu ressemble à lui-même qui est assis là. Mais Allah dit dans le Coran, surat 42, verset 1, il n'y a rien qui lui ressemble, c'est lui l'audient, l'éclairvoyant. Il n'y a rien qui lui ressemble. Mais si Dieu dit, créons l'homme à notre image,
ça veut dire que lui, il ressemble à Dieu. Donc, ça veut dire que tous les composants que tu as, ton Dieu, il a ça aussi. Et si tu veux mon regard, tout ce que tu as, tu as ça. Ça veut dire que si tu as été circoncis, c'est que ton Dieu aussi a été circoncis. Maintenant, pour circoncis, Dieu, on fait comment pour le circoncis? Arrêtez. On est obligé de continuer. On est obligé de continuer pour nous sensibiliser. On est obligé de continuer. La question qu'on lui avait posée au pasteur, c'était juste de savoir la Bible a été révélée à quel prophète. Le nom, il n'a pas donné. Et maintenant, il dit, il vient de venir sur son sabbat. Il dit, tous ceux qui vont à l'église dimanche, ils vont aller en enfer. Maintenant, c'est samedi qu'il faut aller. Sauf que, pasteur, c'est quoi la définition du sabbat? Le sabbat, c'est le jour des juifs où les juifs décident de se reposer pour adorer leur Dieu. Et là, des juifs. T'es baoulé, non? Tu as fait quoi d'enfer les juifs? Sabbat, là, c'est pas pour toi. Je comprends pas? J'aime trop pour quoi chose, les gens vont venir ici. Je cherchais pour toi-même. Sabbat, c'est pour les juifs. Voilà. Maintenant, il dit que l'âge de Saül, là, c'est pas important. Voilà que Dieu, dans la Bible, hein, voilà pourquoi on dit que c'est pas la parole de Dieu. Bien sûr. Parce que quand tu viens de dire que l'âge, là, n'est pas important, mais Dieu a commencé pour dire que Saül était âgé d'eux. Point, point, point. Si c'est pas important, pourquoi il commence la phrase comme ça? Il était âgé. Donc lui il loupe dame et puis après il loupe des gammes. Comme dans sa version, il n'y a pas l'âge de Saül. Voilà pourquoi il dit que c'est pas important. Oui, ils ont ils ont mis l'âge. Il va te montrer ça. Vas-y. 1 Samuel 13, verset 1. Donne-moi la Bible, il va montrer aux gens. Ça, c'est la Bible révisée de 8 secondes de 2014. Bible révisée. Ils ont révisé et corrigé. Ils ont regardé ce qui était tout. Ils ont corrigé. Ici, on n'a pas mis l'ail dans ces soirées. Hein. Donc, parole de Dieu, on révise voilà. Et on corrige. C'est ça qui est là. Maintenant, ils ont réfléchi. Là, j'ai salué. Là, on n'a pas mis. Point, c'est trop soir. C'est soir. Ismaël a vu. Donc, il y a un qui dit 28. Non, 30, c'est bon. 30, c'est bon. Non, mais je crains là-bas. C'est quel sujet. Faut mettre. Donc, ils ont fait une petite réunion entre eux. Ah! Ils ont trouvé l'âge de Saül. C'est quel âge? Vas-y, frère. Saül était âgé de 30 ans. Ah! Il était âgé de 30 ans au passé. On a pas dit que c'est pas important. Maintenant, ça fait quoi ici maintenant? Quand c'est chaud, c'est pas important. Oui, on te pose la question. Pourquoi c'est ici? Allons en même temps, ça commence. Non, il faut nous dire pourquoi c'est ici et puis c'est pas là-bas. La Bible dit quoi? Celui qui ajoute. Mm-hmm. Celui qui ajoute quelque chose à ce livre. Un maudit. Sa part sera retranchée. Celui qui retranche aussi. Celui qui retranche aussi. Il est maudit. Sa part est retranchée. Maintenant, qui a ajouté? Ou bien qui a amené aussi? Demande à celui qui a ajouté. Par exemple, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Dieu dit celui qui ajoute. Mais là, qui a ajouté ici là? Celui qui retranche est maudit. Non, laisse savoir. Non, laisse savoir. Qui a ajouté ici? Qui a retranché? Oui, pour nous répondre. Non, c'est pas la demande. La Bible nous dit. Oui. On sait que ce que Dieu a dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut. La Bible, Apocalypse, nous dit quoi? Lorsque Dieu ferme, il n'y a pas quelqu'un pour ouvrir. D'accord. Lorsque Dieu dit quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir contredire. D'accord. Mais donc, ce qui a été dit a été dit. Qui a maintenant, les livres, vous parlez de la Bible. Non, on dit comme la Bible est la parole de Dieu. Maintenant, qui a enlevé la parole de Dieu là? C'est toi qui poses la question. Oui. Maintenant, qui a ajouté? Qui a rétranché? Pas que pasteur, non. Non, c'est toi qui poses la question. Non, lui, c'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi ils ont ajouté et puis ils ont enlevé. Est-ce que Saül n'a pas existé? Il a existé. Saül, là. Il a quel âge? Donc Saül était quoi? Il était qui? Il avait quel âge? Il était roi. Saül était qui? Il était roi. Maintenant, il avait quel âge? C'est l'âge là, non? Il avait quel âge? J'ai dit que le diable est dans les détails. On est d'accord? Ou alors, le diable est toujours dans les détails. S'il ne comprend pas, il demande. Donc, l'âge de Saül, est-ce que dans la Bible que j'ai mentionné dans l'introduction là, il y a l'âge de Saül dedans? Diana, voilà, on a lu. Ici, donc, tiens. Papa, on a lu, tiens. Donc, ici, on lit. Non, je dis que ce n'est pas important. Ça dit que. Tu es capable de dire qui a coupé la parole de ton Dieu? Tu es capable de dire que la Bible c'est la parole de Dieu par rapport au courant? Mais Dieu nous a bien mis en garde. Il dit celui qui ajoute. Mais qui a enlevé? Pose la question à la Bible. Qui a augmenté? Mais toi tu es représentant de la Bible, non? Tu n'es pas ici pour défendre la Bible. C'est pas grave. Il dit, il va annuler.
Pardon. On a dit que tu vas comprendre. C'est pas encore fini. Il dit, parce que c'est lui qui voulait s'attaquer au courant. Alors il dit, tu peux pas t'amuser au courant. C'est parce que c'est nous les humains, on joue ça. Alors il dit, le courant, si on avait fait descendre sous une montagne, la montagne allait se pulvériser. C'est nous, on joue ça. Le courant. C'est parce que c'est en français qu'aujourd'hui c'est dans la main. Sinon, quand tu es en arabe, tu pourrais t'approcher de ça. Faut dire, alhamdoulilah, aujourd'hui, le monde a évolué, on a traduit en français, tu fais malin. Que je connais le courant. Tu n'as pas bu pendant cette affaire, tu vas comprendre le courant comment. Maintenant, il dit, oui. C'est bon, on va montrer que on peut même pas comparer. C'est-à-dire, comparer le courant à la Bible, c'est une abomination. C'est fait. En réalité, quand on nous pardonne, il ne faut pas aller nous châtier pour ça. Donc. Voilà. Il dit que la Bible est la parole de Dieu. Et lui, il vient de dire, on n'ajoute pas. On ne retranche pas. Maintenant, regardez ce qui s'est passé. Il y a un verset de la Bible. Marc chapitre 15, verset 16. Le verset dit, c'est Jésus qui parle selon eux. Jésus dit, quiconque croira se fera baptiser, sera sauvé. Ce verset-là, c'est le verset phare du christianisme. Ça veut dire que si tu t'es pas baptisé, tu t'es pas fait soutif. Allez partout le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Qui a dit ça? C'est Jésus. Non. Tiens, faut lire ça ici. Moi, j'ai bien lu. Donc, faut lire ça ici. On va montrer quelque chose. J'ai bien lu. Ça, là, c'est pas Bible. Mon frère, est-ce que c'est pas Bible? Faut lire ça là ici. J'ai bien lu. Moi, je veux que tu lis ça là ici. Même là. J'ai lu. Toi-même, faut lire là-bas. Non, attends. Je vais te montrer quelque chose. Pasteur, si tu lis ici là, hein? Voilà le pari que j'ai fait. Comme tu as lu chez toi, si tu lis ici, net, il m'en va, il dépose le micro là. Il m'en va, il m'en va devant toi tout de suite. Faut lire, tu vas la déclaration. Faut lire. Dès que tu lis net, il dépose le micro là, il m'en va le baptiser. Marc 16, verset 15. Verset 15. Le frère. Moi, mon nom, il m'a l'église, vous le voyez. On va dire, c'est quelle Bible? Faut lire, savoir que c'est la vraie Bible. Quelle Bible? La Bible, tradition du monde nouveau. Voilà. Donc, c'est pas le Coran, non? Allons-y. Faut lire Marc 16. Du monde nouveau. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Faut lire. Verset 15, là, faut lire. Lis. Attends, il veut vérifier. Il veut vérifier si c'est la vraie Bible. Attendez, il va vérifier. Il va vérifier. C'est pas le temps, on est dans les choses. C'est pas le temps maintenant. C'est la Bible. Bon, il faut lire verset 15. Là. Il est sûr maintenant que c'est la Bible. On va devenir chrétien. T'as nous baptisé. Marc 15, verset 16. Voilà, Marc 15, 16. Marc 16, 15. Faut lire. Voilà, 16 ici. On est prêt à se baptiser. Il y a pas. On t'a dit que si tu lis, tu vas nous baptiser. Attaque-moi. La roque. Attaque-moi. Il y a quoi dedans? Pacha, il y a quoi? Tu as pris un coup comme ça, on veut savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? Marc 16, 15. Oui. Il lui a dit. Oui. Allez partout le monde. Oui. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Celui qui croira. Oui. Et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Redis la même chose. Non, faut lire ça ici. La ilaha illallah. Vous savez, les frères, Allah dit Wakulda. Allah Hakkouaza Kolbatilou. Vous savez pourquoi le prophète ou bien le pasteur ne peut pas lire? Parce que le verset n'existe pas ici. Ici, le verset est coupé. À partir du verset 8, ça n'existe pas. Voilà pourquoi il a regardé, il ne voit pas.
Il dit Bible est trafiquée. Trafiquée comment? Toutes les sourates du Coran, tu as appris là. Tu as vu qu'il y a un verset. En fait, tu as envoyé trois Corans. Il faut regarder si il y a un sourate qui manque dans l'autre. Même dans ton portable, le Coran qui est là-bas, tu en vérifies. Il y a une phrase qui manque. Donc, on peut faire le test. La honte a fait qu'il voit que le verset 16 n'existe pas, non? Et puis il dit, tenez votre chose, c'est fausse Bible. Donc, ah oui, Yakou. Avec ça, tu voulais comparer ça là au Coran. Le jeu, tu nous montres un Coran où il y a 115 sourates. Comme tu as bien dit, le Coran là, c'est 114 chapitres. C'est ça que tu as dit, non? Le jeu, tu nous montres 115 chapitres. Là. Nous, c'est fini. Non, moi, ça va que c'est faux. C'est un comédien. Tu nous vois un gars là-bas. Voilà. La Bible dit que celui qui retranche. Oui. Celui qui a retranché, oui, c'est pas de Dieu. Attends. Et puis, il a reconnu n'est pas de Dieu. On n'a pas dit la Bible n'est pas de Dieu. Il dit la Bible qui a été retranchée n'est pas de Dieu. Mais qui a retranché? Pose la question à celui qui a retranché. Pourquoi tu as retranché? Bon, on te pose la question. Pourquoi tu penses? Pourquoi tu as retranché? Moi, ma Bible me dit que celui qui retranche ne vient pas de Dieu. Et j'ai lu dans la Bible que Marc 16, verset 16, il dit celui qui croira sera baptisé. C'est clair. Tu n'as pas dit la Bible et la parole de Dieu. N'existe pas. Comment tu veux qu'on ait? Parce que la personne qui a écrit ça a retranché. Ah, la personne. C'est une personne qui a écrit ça. Ah, c'est pas Dieu. Mais c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Je pensais que c'était Dieu. C'est une tradition. Il a oublié. Il a oublié. On parle de la vraie Bible. La Bible. Il a oublié vraiment. La Bible, quand on te présente un verset, tu lis là. Marc 16, verset 15. Dis celui qui croira. Mais tu n'as pas encore transpiré, ça vient. Baptisé. Où tu as transpiré les grosses gouttes là, ça vient. On va lire un verset de la Bible, tu vas nous expliquer ça. Alors, il n'était pas encore fini, ça, il a laissé ça d'abord. Il passe à la troisième phase. Voilà. On va lire un verset de la Bible, tu vas nous expliquer. C'est toi-même qui as voulu comparer ça au Coran. Ah. Vas-y, 2 Rois 6, verset 29. Écoutez ceci. Nous avons fait cuire mon fils. Remonte à partir du verset 28, le verset, et puis tu descends, va comprendre. Et le roi lui dit, oui. Qu'as-tu? Elle répondit, cette femme-là. 2 Rois 6, 28. 2 Rois 6, 28. 28 à 29, mais vous pouvez commencer à partir du verset 26. 28 à? Verset 26 à combien? 29, voilà. Maintenant, disait. Le roi dit. Le roi lui dit. Oui. Qu'as-tu? Le roi demande à la femme là. Qu'est-ce qui se passe? Elle répondit. La femme répondit. Cette femme-là m'a dit. Donne ton fils. Nous le mangerons aujourd'hui. On va le manger aujourd'hui. Et demain nous mangerons ton fils. Et puis demain on mangera ton fils. Nous continuons. Nous avons fait cuire mon fils. On a préparé mon fils, on a fait cuire. Et nous l'avons mangé. On a fini de manger mon enfant. Et le jour suivant. Et le lendemain à son tour. Je lui ai dit. J'ai dit à la femme là. Donne ton fils. Faut donner ton fils. Et nous le mangerons. On va le manger. Mais elle a caché son fils. Ouais. Faut nous expliquer qu'est-ce qui se passe là. Bon, on va aller. De 26 à. Non, verset 1. Et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils. Et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne-moi ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. On appelle ça comment? On appelle ça la sorcellerie. Ah, d'accord. Donc c'est la sorcellerie. Ah non, il y a la sorcellerie dans la Bible. Il y a la sorcellerie dans la Bible. Parce que souvent, on est en état d'homme bien, en état d'homme. Donc c'est ça que tu voulais comparer au Coran. Mais le Coran lui-même a confirmé la Bible. Pour nous montrer le verset, on nous dit la Bible. La Bible, c'est une conspiration. On t'a pas demandé ça. Montre-nous où le Coran a parlé de la Bible. Sourate 3, verset 3. Folie. On va voir si on parlait de la Bible là-bas. Sourate 3, verset 3. Oui. Folie, on va voir si on dit Bible là-bas. Comment? Tu veux qu'on lit pour toi? Parce que tu as un livre pour nous aussi. Folie. Voilà. C'est un peu pour la quand même sauver les gens. C'est moi, elle me laisse dans les chaînes. On va lire. Allons, ah attends. On lit, attends, on lit quoi. Allez,
En lui-même, en lui. Sur la croix. Il a fait descendre. Et il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Où est la Bible? Tu fais clin d'œil. La sourate 3:3 dit, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et fit descendre la Torah et l'Évangile. La Bible. C'est toute cette compilation qu'on appelle la Bible. C'est cette compilation qu'on appelle la Bible. Parce que Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Genèse 2, verset 20. Lisons. J'ai arrivé dans Genèse. Oui. Est-ce que tu n'as pas regretté Genèse là? Genèse 2, verset 20. D'accord. Comme tu es allé dans Genèse, nous on s'en va. On s'en va déjà toi là-bas. Hein? Alors, okay. Allons, Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable. Donc Dieu a donné la possibilité à l'homme de nommer les choses. Donc lorsque nous prenons Ecclésiaste chapitre 12, verset 13, Ecclésiaste 12, 13. Tu vas comprendre. On a là préparé la bonne chose pour toi ici. Ecclésiaste 12, 13. Il dit quoi? La parole des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un seul recueil. Elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Donc c'est ce seul maître qui a donné le nom qu'on appelle la Bible. Pasteur, on va laisser ça. Amos 3, verset 7. Dieu ne peut rien faire de grand dans ce monde sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. D'accord, maintenant. Donc, si tu vois qu'il y a la Bible, le mot Bible qui porte l'étiquette de tous les livres que Dieu a fait descendre, la Bible, c'est la bibliothèque. Et cette bibliothèque appartient à un seul maître qu'on appelle Dieu. Si tu ne peux pas comprendre ça, c'est qu'on peut rien faire. On a compris, j'ai dit, il faut lire ça. Bien lu, 3 versets pour toi, il faut lire ça. Pour le verset 7, verset 16. Si tu lis ça seulement, on peut déclarer. On a lu pour toi, on a lu pour nous. Proverbe 7. Il n'y a pas paraphrase, il faut lire. Proverbe 7, verset 16. Voilà, Proverbe 16, verset 7. Préparez vos oreilles, c'est ce qu'on va lire tout à l'heure. Proverbe chapitre 7, verset 16 à 18, s'il te plaît. Et puis toi, tu me prépares. Voilà, tu me prépares. Voilà, Proverbe 7, le verset 16 est quelque part ici. 14, voilà. 15. Tu ne veux pas essayer le 23 dans la Bible. Voilà le 16. J'ai préparé mon lit avec des couvertures. C'est une femme qui parle là, elle dit à son voisin. De toute couleur. J'ai préparé mon avec lit. Des draps, avec des draps. En lin. En lin. De toute couleur. J'ai fait tout ça là. Avec des draps. En lin d'Égypte. Je l'ai parfumé de parfum. J'ai parfumé mon lit là. Délicieux. Viens. Voisin. Nous allons faire l'amour jusqu'à demain. Oh, bien, là-bas, tu as quoi, t'as passé du temps? Nous allons faire l'amour jusqu'à demain matin. Viens, on fait l'amour jusqu'à demain matin. Nous prendrons du plaisir ensemble. On va s'enjailler. Mon mari n'est pas à la maison. Donc vous conseillez l'adultère aux gens? Non. Non, comment? Attends. On ne conseille pas l'adultère à nos croyants. Mais Dieu enseigne l'adultère. Il enseigne l'adultère. Non, comment est-ce que l'adultère est venu dans le monde? Dieu enseigne. Comment est-ce que les gens commettent l'adultère? Donc si mon enfant a lu ça là, est-ce que ça va faire la même chose? Il faut écouter. On t'écoute. On ne te parle de proverbe. Alors c'est un proverbe. On parle de proverbe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le proverbe c'est pas parole de est Dieu, dédié à ceux qui sont qui ont la sagesse. Donc c'est pas parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mais attends, c'est une parole qui nous enseigne. L'adultère, ça dit quoi? Ah, ok. Ça nous enseigne l'adultère. Ça nous enseigne l'adultère. Non, ça nous enseigne comment est-ce que les gens commettent l'adultère dans la voilà, donc on nous enseigne l'adultère.
n'enseigne pas l'adultère. On nous enseigne comment est-ce que les gens font l'adultère. D'accord, mais on dit à partir de là, mon père dit, non, il faut écouter, à partir de là, on peut éduquer. Tu es fâché pourquoi? On peut éduquer le peuple. C'est quoi lui ça encore? Ah, donc, c'est pour toi, on lit seulement. Oui. Mais tu vas nous donner, nous, on va lire. Je ne lis plus. Bon, donc, tu lis plus. Bon, donne verset sur la nous, on va lire. Attends, quand même la Bible, quand bon. Tu dis, tu lis plus. Ouais. Vous avez posé plein de questions. On va vous poser aussi des questions. On va vous poser aussi des questions. D'accord, on a compris. Est-ce que oui. Le nom musulman que vous portez là, attention. Vous, est-ce que c'est Dieu qui vous a donné? Ouvrez le Coran. Sur le Coran, verset. Sur la 22. À partir du verset 78. 22, 78. 22, 78. Ça, c'est le premier verset, d'accord? Ouais, c'est le verset qu'on se souvient. Alors, avant, je sais pas interpréter la question. Il faut bien réfléchir avant de dire. Allah a déjà résolu le problème. On réfléchit pour quoi? Il faut bien réfléchir avant de dire. Surat 22, 78. Vas-y, qu'est-ce que lis-tu? Et lutter pour Allah. Voilà, il nous dit, et lutter pour Allah, oui. Avec tous les forts qui m'arrêtent. Lisez. C'est lui qui vous a élu. C'est lui qui vous a élu. Il ne vous a imposé aucun gêne dans la religion. Il ne vous a imposé aucun gêne dans la religion. Vas-y. Celle de votre père Abraham. La religion qu'on adopte là, c'est la religion de votre père Abraham. Lequel vous a déjà nommé. Lequel vous a déjà nommé. Musulman. Musulman. Avant ce livre. Avant ce livre. Et dans ce livre. Et dans ce livre. Sur le 3, verset 95. Attends, j'ai ajouté. Attendez. Attendez. Vous avez dit que. Dans la sourate 22, verset 78, le nom a été donné avant le Coran. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Non, tu as compris. Mais est-ce que le nom qui a été donné avant l'avènement du Coran, là, c'est ce qui a été dit dans le Coran? Est-ce que Jésus C'est ce que tu as lu, non? Non. Mais il faut lire. Faut répondre. C'est toi qui as lu. Attends, stop, doucement. Les gens ne vous comprennent plus. Attends, j'ai dit, parce que doucement. Un musulman. Exemple 42, même 13 encore. Exemple qui? Abraham était musulman. Jésus était musulman. Noé était musulman. Moïse. Tu es quoi encore? Voilà. Quoi dit c'est faux? C'est faux. Puisque la Bible dit que vous ne vous appelez pas musulman. La Bible dit où est le Coran? La Bible. Le Coran est venu confirmer. La Bible, la Torah et l'Évangile. C'est écrit où? Attends, on t'a demandé, c'est écrit où? Genèse 37, oui. Verset 25. On va lire, allons. Faut lire toi-même. Parce que c'est la on dit dans le Coran, non, t'as pas la question dans la Bible. Psaume 83, verset 7. Faut lire. Genèse 37, verset 25. Genèse 37, verset 25. Attends, vous, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème, pasteur? Non, parce que nous avons folie. Il s'assit ensuite pour manger. Genèse 37. Hein. Avant de lever les yeux. Avant de lever les yeux. C'est 25. Oui. Avant de lever. 27. Ayant levé les yeux, il vient une caravane d'Ismaélites venant de Gath, de Galate. Leur chameau était chargé d'aromates et de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Il faut continuer. Alors Judas dit à ses frères. Gagnerons-nous à tuer nos frères et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car c'est notre frère et notre chair, et c'est le frère, et les frères, ses frères l'écoutaient. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui lui avaient fait descendre. Ok, on t'écoute. Maintenant, je vais te poser la question. Qui, dans la Bible, on appelle les Ismaélites? C'est pas pour nous expliquer. Donc toi-même, attends. Ah, c'est moi de répondre. Oui. Toi-même, tu comprends pas quelque chose, c'est moi qui vais t'expliquer. Faut répondre. Si tu connais pas, je vais te répondre. Non, on n'est pas Ismaël, non, on est musulman. Non, on est musulman, faut nous répondre. Non, tu n'es pas musulman. On est quoi? La Bible dit que tu es Ismaël. Le Coran dit qu'on est musulman. Le Coran dit que. On est musulman? Non, ceux qui sont musulmans, okay. C'est pas l'Ismaël. Je veux savoir si. Attends, je veux savoir si c'est l'Ismaël qui sont. Attends. Tu es d'accord que. Mais je suis pas d'accord. Tu es d'accord que ce sont les Israélites qu'on appelle musulmans. Les qui? Les Israélites. Les Israélites. Israélites quoi? On les appelle musulmans. Musulmans. Tu as vu quoi aujourd'hui là? Non, je n'ai rien vu. Les Israélites.
Oui. Quel livre? Les Israélites, tu as parlé de Abraham. La Torah dit dans Genèse 14, verset 13. Dans Genèse 13, 14, verset 13, la Bible dit que Abraham était hébreu. Et le Coran est venu confirmer. Tu as parlé de Moïse. Moïse n'est pas ismaélite. C'est notre ami. Attends, il faut écouter. Tu as parlé de Jésus. Jésus n'est pas ismaélite. On dit les musulmans. Oui, il confond musulman et ismaélite. Est-ce que musulman c'est ismaélite? Comment la religion de Dieu va porter le nom de quelqu'un? Ismaélite. Attendez, quand on dit ismaélite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les descendants d'Ismaël. Est-ce que l'islam. Les descendants d'Ismaël, est-ce qu'ils sont musulmans? Moi, chez vous, vous aimez le bruit. Vous êtes calmé. Voilà, alors. Les descendants d'Ismaël, c'est des nations qui portent nom. C'est une descendance. Est-ce que l'islam, c'est une descendance ou bien c'est une religion? Tu n'as pas de descendance. Dans le Coran, il n'y a pas de généalogie. Est-ce que l'islam, c'est une religion ou bien c'est une descendance? Réponds. L'islam, c'est une religion. C'est une religion qui appartient à un peuple. Quand tu prends la sourate 42, verset 7, il dit que le Coran a été descendu en arabe. Mais est-ce qu'on a dit le contraire? On dit religion, ça veut dire que la religion musulmane qui fait allusion aux Israélites. Mais quand tu parles de Jésus, Abraham là, il est déjà là, c'est pas un juif. Surat 3:95. C'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham, musulman droit, et il n'était point du nombre des associateurs. Abraham est ismaélite. Est-ce qu'il était chrétien? C'est pas son enfant qui est ismaélite. Si vous posez... Quand tu prends la lignée, la généalogie d'Ismaël. Vraiment, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, vraiment. De débattre avec des gens qui n'ont même pas la notion de ce qu'ils connaissent, même pas les bébés à part. Non, c'est toi qui n'as pas les bébés. Tu parles d'une religion, tu nous parles d'une descendance des ismaélites. Là, on a doucement. Tu mélanges tout. C'est toi qui mélanges. Quand on parle de musulmans, on ne parle pas d'ismaélites. Faut te calmer, non. Faut te calmer. Voilà, tracé. Yako. Voilà. Un peu d'eau. Il prend pas l'eau. On va continuer dans la Bible. Non, on va te laisser au Dieu. Nous avons dit du sujet, on va te laisser. On va citer. Oussa t'a posé une question. Il t'a posé une question. On veut savoir si c'est les deux bandits sur la croix qui ont insulté Jésus ou c'est un seul. Voilà, réponds. Voilà. Justement, c'est là vient la vérité de la Bible. Allons dans la vérité de la Bible. Dans la Bible, on parle des témoins. Jésus dit, lorsque on parle d'un fait, il faudrait qu'il y ait deux ou trois témoins. Quand on parle de l'évangile, l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Jean, c'est un seul évangile. C'est un seul évangile. Mais à combien de brigades? Voilà. Un seul évangile qui est rapporté par différentes personnes. C'est comme un match de football qui a été joué et les gens ont raconté, chacun raconte. Voilà. Chacun raconte ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, c'est combien de personnes qui ont insulté Jésus? Sur la croix. Une seule personne a insulté Jésus. Dans un fait. Dans un autre fait, oui. On dit que les deux personnes ont insulté Jésus. Donc, c'est combien? La vraie question, c'est que il faut comprendre que l'évangile de Jésus là, a été rapporté par plusieurs personnes. Combien de personnes ont insulté Jésus? C'est deux ou bien c'est un? C'est deux. En même temps, c'est un. Tu comprends? Parce que c'est un fait rapporté. Molo, c'est un fait rapporté. Vous comprenez? C'est un fait rapporté. L'autre a dit. Salut ton frère. L'autre a dit. Deux personnes l'ont insulté. Oui. Et l'autre a dit que non. Quasiment, ne se sont pas assis comme on a. Mais ils ont été inspirés par le nom de Dieu, non? Oui. Mais pourquoi c'est pas qu'ils se contredisent? C'est ce qu'on appelle en anglais repotispis. Le repotispis, c'est quoi? Oui. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, voilà les hommes qui sont là. Oui.
Et ils sont en train de regarder ce qu'on est en train de faire. Effectivement. Et demain, ils vont rapporter le fait. Oui, chacun va rapporter. Comme l'autre va dire, oui. Lorsque le prédicateur Mathurin a parlé, oui. Smedaka a crié sur lui, dit tais-toi. Oh, et tous étaient là. Hein. Et tous étaient là. Oui. Et puis il y a l'autre qui dit. Il n'a pas dit tais-toi. Non. Issaou Dana a dit. Oui. Il n'a pas dit tais-toi. Mais il a dit, parle doucement. Attends, son il y a un qui est un menteur. Son mot qu'il a dit à Mathieu, là, ça veut dire pardon, ça veut dire que. N'importe quoi. Ça veut dire report his speech. Report his speech. On va reporter. Non, ça veut dire qu'il est fait. On t'a rapporté. Ils sont pas dans le mensonge. C'est deux en même temps, c'est un. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. On a. Question-réponse. Voilà, on prend. C'est mieux, les gens vont poser des questions. Voilà, puis on va essayer de répondre. Non, c'est pas. Tu as gagné. Dans les micros, les gens ils vont partager et ils vont venir poser des questions. Les gens vont faire leur réponse. Non, dans la sourate 22, ils ont dit que le mot, le nom musulman qui a été attribué avant le Coran. Et avant le Coran, les faits nous rapportent que. La descendance d'Ismaël, là, ils n'étaient pas musulmans. Ça, c'est la Bible. C'est pas la Bible. Même le Coran même dit ça. Mais Abraham était musulman. Le Coran dit ça. Le Coran dit qu'Abraham était musulman. Mais Abraham n'était pas. Vous laissez les gens vont poser question. Attends, est-ce qu'Abraham n'était pas musulman? On dit que c'est pas Jacob, les enfants d'Abraham, là. C'est ce qu'ils ont. Attends, je vais te poser une question. Abraham, il était chrétien. Abraham. Comment Abraham peut être chrétien? Alors. Quand on dit chrétien, là, oui. C'est à l'avènement du Christ. Alors, quelle est la racine du mot chrétien? Quelle est la religion d'Abraham maintenant? Abraham. Oui. Abraham était croyant. Et quoi sa croyance? C'est quoi sa croyance? Sa croyance, oui, c'est à un seul Dieu. Et voilà, attends, dis ça d'Abraham là. Oui. La Bible nous dit que oui. Abraham était hébreu. Est-ce que tu es d'accord? Donc, sa langue. C'est sa langue. Oui. Mais hébreu, là, c'est une religion. C'est une nationalité. Non, alors, pas de religion. Mais non, c'est toi qui comprends pas. Bon, il veut savoir. Est-ce que Abraham il croyait que Dieu était Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit? Voilà. Abraham croyait que oui. Dieu était Dieu le Père, il était Dieu le Fils, il était Dieu le Saint-Esprit. Alors, le Dieu... C'est incorporé. Ça dit que quand on ne dit pas de Père, ah, c'est pas dit incorporé. Là. On parle de Père. Toi, tu es Fils. Mais tu as un père. Oui. Avant que tu sois fils là, tu étais où? Question. Non, c'est tout. Il n'existait pas. Tu existais, mais tu existais dans les reins de ton père. Tu existais dans les reins de ton père. Ok, on a compris. Donc, tu as compris, non? Oui. Donc ton père te transportait. Et à un moment donné, tu es venu à l'existence. D'accord. Tu comprends? Hein? Donc, quand on dit père, fils et Saint-Esprit, ça fait quoi? C'est incorporé. C'est comme l'homme, oui. Le corps, l'âme et l'esprit. Maintenant, si ils ont tué le fils, est-ce que le père vit? Ça va. On ne peut jamais tuer le père. On ne peut jamais tuer le père. Il dit, est-ce qu'ils ont tué le fils? Est-ce que le père vit? On ne peut jamais tuer le fils. Bon, qui est mort 3 jours? Celui qui est mort 3 jours. Tu es rentré là-bas. Celui dont tu veux rentrer dans la divinité. Réponds. Qui est mort 3 jours? Attends, tu veux rentrer dans... Il est déjà rentré. Qui est mort 3 jours? Jésus n'est jamais mort, il a traversé la mort. Allah Akbar. Jésus n'est jamais. Lorsque vous prenez la sourate 67. Lorsque vous prenez la sourate 67. C'est bon. Prenez la sourate 67, verset 2. On dit Dieu a créé la vie et il a créé la mort. Merci beaucoup. Jamais mourir. Merci. Merci beaucoup au pasteur Mathurin. Merci beaucoup à la DDR, Oustad Diané Ismaël Aka. Merci beaucoup. On va maintenant prendre des questions dans le public parce que le public aussi. Donc on a, comme on l'a dit hein, lors de la conférence, par rapport à tous ces événements qui se passent à Yamoussoukro, Wallahi, nous même on s'est dit, mais est-ce qu'il ne fallait pas, l'imam même nous a proposé, on allait demander au commissaire d'envoyer 2 policiers, etc., etc. Mais on s'est dit, ils sont là, alhamdulillah. En même temps, pour faciliter leur travail, certains vont quitter cette nuit-là. Après avoir écouté la parole d'Allah,
souhaite rentrer tranquillement chez eux à la maison. Maintenant, si on entend qu'il y a des gens aussi qui sont là, qui attendent des personnes pour les agresser, étant donné qu'ils sont allés écouter la parole d'Allah. Et puis il dit, soit ils sont musulmans, soit ils sont de la, n'est-ce pas, de la communauté malinké ou djoula. Mais ce n'est pas les djoula, ce n'est pas les musulmans. Mais comme à Benyamina, nous, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? On sensibilise ceux qui sont là. Eux là, ils vont sensibiliser les autres pour qu'au moins la paix règne tout le monde. Voilà, et personne ne veut cette situation. Mais avec un Yarmini, ça va aller tomber sur la jeunesse musulmane ou encore sur la communauté musulmane. Et c'est ce qui nous fait mal. Et ça nous fait, c'est comme si on prêche dans le désert. Or, nous nous disons non. De toute façon, les frères nous suivent sur Internet. Ils témoignent même qu'à travers nos prédications, wallahi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans leur comportement. Que ce soit femme, que ce soit homme. Wallahi, en quittant Yamoussoukro, on veut laisser ce message de paix là ici. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amin. Alhamdoulilah, toujours dans la même veine, c'est de demander aux gens de craindre Allah. Vraiment, craignons Dieu. Aujourd'hui, on parle, on est content, on a la force. Tu as la force d'agresser quelqu'un aujourd'hui. Mais dans 30 ans, dans 40 ans, tu seras aussi vieux. Si Dieu même t'a fait grâce, c'est même pas sûr que tu vas vivre. Alors réfléchissons, les gars. Oui. Transmettez le message aussi à vos gens dans vos quartiers qui ne sont pas venus. Peut-être que tu connais un ami qui fait ça. Vraiment. Il faut l'appeler, il faut lui dire, vieux père. Oui. Vraiment, il faut regarder Dieu. C'est pas à cause de Dieu. Motor, c'est un appareil qui va disparaître dans quelques instants. Wallahi. D'ailleurs, tu as volé moto, tu as agressé. Niabon. Tu as versé le sang. En réalité, le pasteur a dit quelque chose qui est vrai. Tu as oui. Versé le sang d'un innocent. Oui. Ça va te suivre jusqu'à ta mort. Et bien, il a dit, tu connais le malon à Mouné Kalala, n'est-ce pas pour te marcher là. Mais il a mis qu'un donné, il n'y a pas la bête du route de toi. Rien que pour une moto, tu agresses quelqu'un. Sous-barraté de Irel. Mes frères. Pardonnez, dites ça à vos frères. Ça fait mal. D'ailleurs, Yamoussoukro, on connaît Yamoussoukro comme une ville de paix. Yamoussoukro, là, Mounema, Akirsi, Tougou, Temanam, Doumbé, où il y a la paix, stabilité, Béron, Ahmed Okabon, faut être là. Le nombre de prisons, il y a à Abidjan, il n'y a pas ça, Yamoussoukro ici. Kassoubon, est-ce que Kassoubon, Béawa? Oui, regardez vous-même, c'est parce que c'est un signe pour dire que les gens de Yamoussoukro sont des gens de paix. Oui, on m'a côté Kassoubon, parce que tout le monde est encore tout, il n'y a pas de temps. Mais où sont quittés cette nouvelle génération qui agresse moto? De toute façon, il va se rendre à l'eau, il reste là. On va le voir dans le canal. De toute façon, il n'y a pas de temps. On n'a jamais entendu ça. Nous-mêmes qui sommes à Abidjan, on n'a jamais entendu ça. Il y a des cas qu'on fasse. Yamoussoukro, on agresse moto et qu'on tue des gens. Yamoussoukro, Kabri, Moro, Kaka, Nimena, Warabi, Nani, Warabi, Waro, Moto, Koson. Les gars, Aïe Sabali. Pensons à la mort aussi. Aïe Fanaï Miri, Sayama, Moro, Bessala, Lombe, Bruno, Komaké. Pensons à la mort aussi. Aïe Hina, Nyona. Lui qui t'a donné la force et puis tu as ôté la vie de quelqu'un. Mika Fana Dima, il est qu'à donner Nitao. Bientôt il va prendre pour toi. A Fana Dima, il est prendre Nita. D'ailleurs, tu ne vas pas rester éternellement sur la terre. Il était dans ton dunia, nous connaissons pas. La moto aussi ne va pas rester éternellement sur la terre. Moto Fana Dima, tiens. La moto que tu vas vendre aussi là. Il met la moto du frère. Il ne va pas te rendre multiple. Moi, il met la brègue, la cima. Il y a des gens avec la moto, mais ils ont faim. Moto va brûler, mais comment pas là? Maintenant, toi, tu t'en voles moto et puis tu lui ôtes la vie en ta moto, Mnala, à ma son a dit. Allah dit dans le Coran, notez pas la vie que Allah a rendue. Allah ka baraka to nim la, wallahi kana nipo. Allah ka baraka to nim la, kana bo. Aïe Sabali. Pardonnez. Aïe Sabali. On insiste dessus. Wallahi. Si vous connaissez les gens qui font ça là, pardonnez, allez-y les interpeller. Ni ka itriche do la bala, Allah sigue kuma fe. Il kana keni kele adari quoi Aïe Sabali. Durubeto, wallahi avec ça. N'a pas sali là, Allah va boire un peu de là, il est le bêta sirika. Il va pas souvent au moins, il veut bara, il veut bara moro de moi. Non, on dit, wallahi, il kamike, tcho, il passe ça là. Kapo kasura kapo, d'une heure, on connaît. Amina et Rabbi. On va passer à la série des questions, Inch'Allah. Salam alaikum. Et Inch'Allah, Sili, amène un rappel là-bas, demain, Inch'Allah, à la même heure, ça c'est pas un débat, là ça c'est Inch'Allah, vous serez aussi là pour poser toutes les questions, préparer les questions à poser. Voilà, même s'il y a quelqu'un qui peut faire témoignage, même Nabeto Tibidaï, car faut que oui, moi aussi, j'étais dans ce mouvement d'agressivité là, mais j'ai juré par Allah que je quitte dedans. Même si tu n'es pas venu t'arrêter ici, parler dans le micro pour que les gens nous captent là, c'est déjà bon. Quand on donne la bonne compréhension. Demain, on se donne rendez-vous ici, Inch'Allah, 21h22h.
Bismillah. Ça là, il se passe, si, hein. Population de Yamsoko. On m'a essayé Yamso hein, depuis 2003 à 2012. J'étais ici. Il n'a jamais entendu ça. Donc ça c'est nouveau ça, s'il vous plaît. Écoutez. Je suis rentré à Ibrahim. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis très content. Je ne vais pas quand même quitter ici sur le podium sans poser au moins une question à mon frère et le pasteur. Je n'ai pas demandé la parole à mes frères, parce que le pasteur et moi, on se connaît depuis longtemps. On a déjà échangé beaucoup. Bien, ici le thème est clair. Entre la Bible et le Coran, lequel des livres émane de Dieu l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre? J'ai une question très simple. L'Éternel, dans Nombre chapitre 23, à partir du verset 19, nous dit qu'il ne se repent pas. Ce qui est normal, même acceptable même, par la conscience humaine. Parce que le repentir, c'est le regret. C'est de ne pas savoir que la chose allait être ainsi. C'est en ce sens-là qu'on regrette et on se repent. Donc quand l'Éternel dit qu'il ne se repent pas, c'est d'accord. Mais je retrouve dans Genèse chapitre 6, verset 6, un autre verset qui me dit « L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. » Ça veut dire que l'Éternel ne savait pas que l'être humain allait être égaré jusqu'à ce niveau, au point où l'Éternel même regrette d'avoir créé l'homme. Il se repent de cela. J'aimerais savoir, pasteur, si c'est une contradiction, laquelle des versions est vraie et l'autre est fausse? C'est ma question. Ok. Je remercie mon frère Oustaz Ouattara. Ah, c'est une très bonne question. L'Éternel Dieu ne se repent pas. Nous allons aller au commencement, dans Genèse. Genèse 1. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il a créé tout ce qui renferme la terre. Et il a vu que tout était bon. En créant toutes ces choses, Dieu a soumis toute sa création à des lois. Mais au fur et à mesure que les hommes évoluent, l'homme transgresse la loi de Dieu. Seuls les animaux, les bois, les arbres, les poissons, respecte la loi de Dieu. C'est seulement que l'homme qui se fait des représentations de loi. Nous faisons des représentations des lois dans l'assemblée. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme a abandonné la loi originelle que Dieu nous a donnée. Donc c'est en ce sens-là que Dieu a envoyé ses anges pour aller détruire Sodome et Gomorre. Parce que à un moment donné, l'homme est en train d'aller au-delà de ce que Dieu lui a dit de faire. Aujourd'hui, nous voyons des hommes qui vont avec des hommes, des femmes qui vont avec des femmes. C'est des choses abominables. Donc, lorsque Dieu voit ça, Dieu ne fait que regretter. Parce que Dieu, il nous a donné ses lois. Donc chacun doit respecter ses lois. Lorsque tu transgresses, c'est pourquoi Dieu nous a donné des garde-fous. Sinon, si Dieu ne regrettait pas, pourquoi il allait nous donner des lois? En ce moment-là, l'homme allait vivre comme des poissons. Mais l'homme transgresse, l'homme va au-delà. Vous voyez qu'aujourd'hui même, il y a des pédophiles, il y a des garçons qui sont morts avec des garçons. C'est des trucs contre nature. Alors que Dieu, en créant l'homme, il n'a pas demandé à l'homme d'aller avec son habitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Rapidement, Monsieur Diaby. Monsieur Diaby a demandé Bamba Mamarana aussi. Oui. Oui. Répondez rapidement avant que Monsieur Diaby. Oui, alhamdulillah. Mais le pasteur, il confirme que Dieu regrette.
Et c'est ce qui est choquant. Regretter de dire je ne savais pas. Et je ne savais pas de dire je ne suis pas omniscient. Alors qu'Allah dit dans le Coran, il connaît leur passé et leur futur. Il ne regrette pas. Allah lui connaît leur passé et leur futur. Mais s'il y a un Dieu qui regrette, mais attendez, nous on regrette, non? Ah, j'ai marié une femme, vraiment je ne savais pas qu'elle ne savait pas préparer, ou je ne savais pas qu'elle n'allait pas me respecter. Voilà, vraiment, j'ai dit, ah, s'il savait, oh merde. Comment Dieu peut dire ça? Et puis tu confirmes qu'il regrette. Bon, comme c'est ton Dieu aussi qui regrette, donc il n'y a pas de problème, quoi. Bissim là, allons-y. Non, ce qu'il a dit, je réponds. Non, 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 tu ne peux pas répondre, non, tu as confirmé. Non, parce que, on a fini avec la question. Pour deux minutes de conclusion. Dieu regrette. Vous aurez deux minutes de conclusion, vous pouvez revenir là-dessus. Allez. Salam alaikum. Moi j'ai une question. Tout à l'heure, le pasteur dans son allocution a cité 2 Timothée 3:16, où dit que toute écriture est inspirée de Dieu, etc. Maintenant, je voudrais lui poser la question. Dans 2 Timothée 4:13, si on peut lire, s'il vous plaît. Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à toi, je Cabus, et les livres, surtout les parchemins. Alors ma question est, si cette écriture est inspirée de Dieu, quelle est son utilité pour pouvoir enseigner aux fidèles? Et quelle est son utilité pour pouvoir convaincre? Et en quoi elle est instruite dans la justice? Voilà, la Bible nous dit, 2 Timothée 3, verset 16 nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour instruire, pour corriger, tout cela dans la justice. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de nous rapporter l'histoire de Paul. Paul est en train de donner une commission pour dire qu'en venant, il ne faut pas oublier mon manteau et mes parchemins. C'est-à-dire tout ce que tu... dans mon introduction, j'ai dit quoi? Il dit la Bible comprend des faits historiques, des faits allégoriques, des faits poétiques, des psaumes, des chants. Tu vois, tout ça là pour enseigner. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans la Bible, en bien comme en mal, en sorcellerie, comme en tout, tout de suite on a lu qu'il y a des femmes qui voulaient manger, préparer des hommes et puis manger. Ils ont mangé déjà. Même dès l'instant où on voulait manger l'enfant de l'autre, elle dit, elle a pris son enfant et puis elle allait cacher. Ça, c'est la sorcellerie pure. Donc Dieu nous enseigne comment les gens font la sorcellerie et comment est-ce que les gens font du bien. Comment est-ce que les gens volent? Et comment est-ce que les gens ne volent pas? C'est un enseignement. Je reprends. Dans 2 Timothée 4:13, c'est Paul qui laisse une commission. Je demande, quelle est son utilité pour pouvoir l'enseigner et en quoi elle est instruite dans la justice? Il a donné sa réponse. Voilà. C'est à nous de répondre. Alhamdulillah. Parce que moi, je suis étonné. Il dit sa Bible montre comment la sorcellerie s'est passée, comment on mange l'homme et en même temps, ça dit comment on fait l'adultère. Bon, imaginez ton enfant de 5 ans, 10 ans, 15 ans tombe sur ça, mais tu lui es en train de lui montrer en même temps comment faire l'adultère, comment manger l'homme, comment en même temps tromper son mari. On n'a pas voulu tout montrer, sinon aussi il y a comme... Envoyer un vrai message à sa chérie, tout ça. Ouais, les textos là, ça va. On peut te montrer aussi du vieux. Hein. C'est pour enseigner. Caresser le Seigneur, c'est pour enseigner. Quand en mathématiques, on dit moins 1, oui. Plus moins 2, oui. Est égal à A. Moins 1, plus moins 3, est égal à plus combien? Plus 4. Donc, on va au-delà de l'impossible. Le l'enseignement de l'homme. Ouais. Quand tu ne comprends pas, tu penses que c'est impossible. C'est bon, j'ai compris. Donc, le parchemin,
son manteau, la commission, tout ça, c'est pour nous enseigner. On doit, par on doit exemple, envoyer les gens. Mon boubou. Mon boubou. Ismaël, il faut envoyer mon boubou là. Lorsque tu es guéri là, en venant là, il faut prendre mon portable, il faut prendre mon ordinateur, il faut prendre tout ça. Il faut rien oublier. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est pour enseigner quoi? C'est pour enseigner quoi? C'est pour enseigner l'obéissance. Est-ce que tu crois à ton frère? Si ton grand frère t'envoie, il faut partir. Ah. Oui. Micro là-bas, voilà, il y a une dernière question. Voilà, allons-y. On rappelle rapidement que nous sommes accompagnés qui est le représentant de la DDR à Soubri. Lui aussi il est venu pour nous soutenir. Djabi qui vient de poser la question à le représentant de la DDR à Daloa, il est là également. Sans oublier, on a notre grand frère qui est là, qui est venu de Issia. Le représentant de la DDR Issia est également là. Et également Abbas Mamoudou, représentant de la DDR Djekano. Donc ils sont tous là pour nous soutenir pour la gloire d'Allah, Inch'Allah. Takbir. Souma Takbir. Ismila. Maman Bamba Mamarasa. Masarana. C'est Masarana. Allons-y. Assalamu alaikum mes frères. Walaikum salam wa rahmatullah. Je pense que les débats même étaient déjà courts à l'entame. Et que vraiment vous avez fatigué nos frères de la DDR. Vous avez dit tout à l'heure que toute parole est inspirée de Dieu. Et je me base aujourd'hui sur ce que vous avez dit. Hein. Il y a la Bible et le Coran. Lequel des deux est véritablement la parole de Dieu? La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. La Bible enseigne l'adultère. La Bible encourage l'esclavage. C'est vérifiable dans Lévitique 25 à partir, je pense, du verset 44. Et en plus, Ézéchiel 23, je pense que tout homme qui aime sa femme, tout père qui aime sa fille, ou bien toute fille, tout frère qui aime sa sœur ne pourra jamais lire ce verset, en tout cas cette partie de la Bible là devant une femme. Parce que si tu as vraiment un enseignement, une éducation, tu ne peux pas prononcer ce genre de choses là devant ta famille. Donc si la Bible est inspirée de Dieu, si la Bible est donc inspirée de Dieu, quel est l'enseignement en fait qu'on doit retenir de cela? Parce que moi, je préfère vraiment, alhamdoulilah, je suis née musulmane, je préfère rester dans cette religion qui me dit ne t'approche pas de ça, ne fais pas ça, plutôt que de savoir, de me mettre des idées en tête et puis vouloir essayer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, dites quel est l'enseignement qu'on peut tirer en fait de. Ézéchiel 23. Ézéchiel 23. Je n'ai pas dit de travail pour mon corps, quand il a parlé. Là. Non, elle a parlé d'un verset. Il veut que tu n'as qu'à voir le verset. Et elle dit, si tu respectes ta famille, tu ne peux pas lire ça devant les gens. Okay. Alors, toi, tu es responsable de la Bible. Voilà ton fardeau. Faut lire. Et puis tu expliques. Faut lire ça ici. Pourquoi partir là-bas? Comme tu insistes, faut lire. Quand tu mets ton micro, j'ai lu ça. Tu veux savoir, c'est quel enseignement, quoi? Dieu veut nous dire quoi par là? Ézéchiel 23, verset. À partir du verset 1. Verset 1. Voilà, on dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, il y avait deux femmes, filles d'une même mère. Elles se sont prostituées en Égypte. Prends le mot là, tu dis pas ça bien. Elles se sont prostituées en Égypte. Continue. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans leur jeunesse, là, leurs mamelles ont été pressées. Ça veut dire quoi? Stop. Comment on presse mamelles? Faut faire quoi?
Pour faire voir comment presse la mêle. Attendez. C'est-à-dire, quand, lorsque vous posez ce genre de questions, faites bien la lecture. Hein. C'est ça l'affaire. Faites bien la lecture. Oui. Lorsque vous posez ce genre de questions, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Il y a quelque chose qui vous manque. C'est quoi? Parce que dans l'introduction que moi j'ai donnée, j'ai dit que la parole de Dieu est poétique, est prophétique, est allégorique. Il y a plein de sagesse, comme dans le livre de Proverbes. On a compris. Mais là, ici, là, je vais essayer de paraphraser. Vas-y. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire en Égypte, il y a eu deux filles qui se sont prostituées. Qui sont quoi? Qui se sont prostituées. Il faut bien répéter ça. Il y a Juda et Samarie. C'est pas un truc comme ça. Donc, il ne s'agit pas des hommes. C'est des allégories. C'est-à-dire que. On a compris. C'est le peuple de Dieu qui s'est prostitué. C'est-à-dire. Ils ont adoré d'autres dieux. Ça, c'est vrai. Donc, c'est un enseignement que Dieu est en train de nous donner en donnant des images. Mais là, pourquoi il parle des caresses? Pourquoi? Oui, c'est pour donner l'ampleur de la prostitution. Comment est-ce que son peuple allait adorer les idoles et d'autres dieux? Donc c'est pourquoi la Bible nous dit c'est la pointe d'image taillée. Ni des représentations quelconques des choses qui soient en haut dans les cieux, qui soient en bas sur la terre, qui soient dans les eaux, plus bas que la terre. On a compris. C'est-à-dire que tu ne dois pas te faire des images taillées. Mais lorsque son peuple s'est retrouvé en Égypte, lorsque le peuple de Dieu s'est retrouvé en Égypte, ils sont allés adorer. Ils sont allés adorer. Mais pourquoi quand je vais parler de ça, ils sont pour donner à l'enseignement, c'est pourquoi il a parlé de prostitution, de saint, de caresser, et puis de bonbon. Le mot là. Non, mais pas les enfants. Ah, ok. La sœur, tu avais raison. Il dit on était pas les enfants. En fait, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça nous ne répond pas. Voilà. La dame veut dire quoi? C'est vrai. On sait que les thèmes sont allégoriques. Oui. Et que c'est tendance à dénoncer quelque chose que Dieu parle. Mais pourquoi vous, votre Dieu, bizarrement, pour dénoncer les faits qui ont eu lieu en Égypte, il utilise ces termes à caractère pornographique? Pourquoi? C'est ça qui est problème. Il y a d'autres termes à utiliser. Il ne faut pas dire non, les enfants sont allés, ils ont coupé du désert. Il ne faut pas dire autre chose à passer, caresser. Et puis, ce que toi disais, le verset, tu ne veux pas lire. Mais c'est après là. Il dit, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai dit à les enfants, on ne peut pas tout lire. Ah. Là, c'est quand ton enfant tombe dessus, maintenant. Voilà, il fait comment? On ne donne pas ça aux enfants. Alhamdulillah. Et t'as dit, on va les 18 ans, c'est la Bible. Donc, les enfants chrétiens, là, les disent, bon, un peu, yo. Donc, il y a un peu, la tête des enfants, c'est la tête des adultes. Oui, on ne mélange pas, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Voilà. Alors, on va. T'es prêt là? Non, au contraire, ils sont. Non, ils sont découragés. Au contraire, ils sont contents parce que. Oui. Ok. Il n'y a plus question. Ouais, on va. C'est mieux, on va faire la maison. Voilà. Vraiment, on va les donner, on va les remercier quand même. Merci, on fait. Merci d'être venu. Oui, il n'y a pas de souci, c'est quand même fraternellement parlant. Dans les réseaux, il faut qu'on se. Effectivement. En même temps, par rapport à la sensibilisation de la jeunesse, nous disons Alhamdulillah en espérant que le message est passé, que les frères ont entendu ce que nous avons dit. Vraiment, le fait d'attendre est bon, mais mettre en pratique, c'est encore mieux. Voilà, il n'y a qu'à côté, ni malassa, ni bourreau, il va la sanitaire. Il sait qu'à la sanitaire, il va la sanitaire de ce prix, c'est-à-dire à Madjaye, quoi. Vraiment, on vous dit merci et on va se retrouver demain soir pour la suite des programmes. Demain soir, à partir de 20h, vous venez, on va échanger encore, Inch'Allah. On aura ensemble, on pourra se sensibiliser ensemble encore, Inch'Allah, dans la même heure, Inch'Allah. D'accord, on va lever la messe, tout le monde. Si, si. On n'a pas salué nos imams, mais Inch'Allah, demain, on va venir vraiment prendre droit avec eux. Ashhadu an la ilaha